Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon retour sur Resident Evil 0. Donc la dernière fois on avait fait descendre l'observatoire d'un étage et on arrive ici. On dirait une vieille église. Bizarre dans un manoir. Ils ont leur église personnelle. Bonjour. Cartouche. Ok. Moi c'est cartouche. Voilà. Non, il y a la dalle du coin qui déverrouille la porte. Séparation des personnages, encore une fois. J'ai l'impression. Il y a des herbes. Je sais pas pourquoi, mais je vais les ramasser. Et voilà. Ça c'est fait, c'est plus à faire. Alors, il y a quoi d'autre ici? Verrouillé depuis l'autre côté. Et là, le courant est coupé. Ok. Donc il faut que quelqu'un rentre dans l'église. Bon, d'habitude, on fait toujours courir les risques à Rebecca, donc. You stay here. Yeah. Non, c'est pas ce que je veux faire. Échanger ça. Je vais prendre un soin de plus au cas où. Et je suis parti. Pour une fois, c'est Billy qui va prendre les devants. Honneur aux hommes. On est parti. Un hôtel. Marrer son aura divine, il y a quelque chose de lugubre. En même temps, on est dans un manoir infesté de zombies. Qu'est-ce que tu trouverais pas lugubre? Encore une salle de sauvegarde? Ajiketa, APB, Rimayor. Bizarre ce truc. Donc, j'ai des munitions pour fusil. J'ai des munitions pour lance-grenade. Du soin. Du ruban encreur. C'est tout? Autre chose? La carte, il me faut la carte. Symbole, on dirait qu'il faut le grappin. Alors, je vais faire ça, je vais ramener des choses utiles. Ça, je vais le laisser. Je vais ramener les munitions et le spray. Je sais pas pourquoi le spray ou le mix de plantes c'est pareil à... Mais bon. Donc il faut que j'aille chercher le grappin. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Chauve-souris géante. Formidable.
plus de munitions. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, 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 lâche-moi. Il me ramène. Allez. J'ai plus de petites chauves-souris. Lâche-moi. Faut que je regarde ma vie. Non, je suis bon. J'ai bien fait de prendre en facile. Non, je déconne. J'aurais peut-être dû prendre en normal. C'est un peu trop facile du coup. Allez, lâche-moi. Sérieux, mais elle me gonfle cette chauve-souris. Ah, je l'ai eu. Je pense que... Donc, je vais faire quelque chose de très inutile, mais je vais le faire quand même. Allez. Allez, Billy. Allez, Billy. Allez. Et voilà, parfaite santé, magnifique. Du coup... Oui, le grappin, je sais. Ça va Rebecca, pas de soucis. T'as pas froid en t-shirt, tout ça. J'ai utilisé plus d'une trentaine de balles. Je sais plus combien j'en avais, mais il me semble que j'en avais plus de 160. Alors, il faut que j'aille chercher le grappin. Magnifique. C'est super loin. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux zombies entre dans les salles. Ça va pas l'air en tout cas pour le moment. Non, parce que s'ils sont capables d'en faire arriver, c'est sûr. Allez. Je me demande si je peux encore poser des choses dans cette salle. Je peux. Hop là. Alors. Okay, je vais rien laisser en haut. Je vais tout poser en bas. Oui, peut-être. J'avais fait ça pour être tranquille. Pas des cartouches acides aussi quelque part. Ça me fait penser. Je sais peut-être pas laisser ici. J'ai les cartouches normales, les cartouches incendiaires, le fusil à pompe et là j'ai du soin, c'est tout.
Voilà, je sais pas pourquoi, je suis pas retourné depuis un moment jusqu'au train. Je sens que je vais avoir des zombies. Non, même pas un petit zombie? Allez, un petit zombie. Rien du tout, je suis déçu. Tadada, le retour de la souris. Ok, c'est bon, j'arrête ça. Clac. Allez, c'est parti. Alors moi, il me faut le grappin. Voilà, il me reste une place. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Histoire de rassembler tout ça. Une cartouche. On va les mettre avec les autres. Par là, il n'y avait rien. C'est toujours en train de brûler depuis le temps, hein. Je suis en train de me demander si en laissant un objet sur le sur la dalle, on peut pas arriver à comment dire si on peut pas arriver à laisser la porte ouverte et à rentrer avec les deux personnages. Ah, je sais où sont les cartouches acides, elles sont dans le couloir au-dessus. Celui qui mène justement celui qui menait encore au-dessus à l'observatoire. Elles sont avec les balles de Magnum. Bah, tout ça je peux le voir hein, sur ma carte, mais voilà. J'avais pas envie de chercher, en plus ça fait perdre du temps. C'est pas tout droit, c'est sur le côté. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas dire à un personnage rejoins-moi, je suis ma plus loin. Après, bon, c'est un vieux jeu, hein. Je sais plus quelle était sa date de sortie, mais c'était sur la Nintendo GameCube qu'il est sorti à l'époque, Resident Evil 0. Donc déjà, c'est déjà pour d'avoir deux personnages jouables en simultané en plus, ça peut être pas mal. C'était vraiment, vraiment bien à l'époque. Innovateur et tout. Rebecca, toujours la forme. Si je fais genre, je sais pas moi, ça. Non, ça va poser à côté. Let's go. Ok. Ah bah c'est resté ouvert maintenant. C'est nouveau ça. Fallait peut-être que je batte la chauve-souris. Alors, je vais rééquiper ça. Ça peut être utile. Et ensuite, je vais utiliser ça. Voilà, la super cinématique de la corde. En plus comme ça j'ai laissé Rebecca à l'intérieur, il y a encore moins de chances qu'elle se fasse attaquer. Et ça c'est vraiment vraiment bien.
Non, mince, je voulais pas rentrer tout de suite. Sauf si ça me la laisse ouverte. Ça, j'ai tous les... Ah si, ça me la laisse ouverte. Alors, je fais une petite chose. Voilà. This way. Okay. Hop. Comme ça, je lui dis de me suivre. Alors. Et que la lumière soit. Voyons voir la map. Non, il n'y a rien d'autre. Allez, demi-tour. On recommence à prendre du soin. Ok, c'est parti. Ils auraient pu nous faire arriver directement en bas, hein, ça aurait été plus simple. En plus, on se retape la cinématique de la porte une deuxième fois, du coup. Donc, on était dans un manoir, je suppose qu'on arrive dans une sorte de laboratoire secret maintenant. Où apparemment, il n'y aurait qu'une seule porte d'ouverte. Écrit là. Non? Allez, tu peux me le lire? Elle veut pas me le lire. Tant pis. Du soin. Document. Le deuxième journal de Marcus, qui est une page déchirée. Ben, j'arrive plus à parler. Une page déchirée. Voilà. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. Je ne peux pas la conserver moi-même. Ce serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mais là dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y prendre. Il y a un trou là encore. Ça tombe bien, j'ai gardé le grappin. I'll go check over there. Toi, tu restes là. Il va se relever à tous les coups quand on sera monté. Voilà, on a de quoi sauvegarder et on a de quoi échanger entre les deux étages. Ça va faire comme dans le train. Encore va y avoir des singes à tous les coups. Il y a de l'essence. J'aurais dû la ramasser, je l'utiliserai pas. J'ai pas pris la carte.
On dirait que le verrou dessus s'est fait défoncer, quoi. Ok. J'arrive où là? Oh! Un monte-personne plutôt. Oh! Oh, le truc qui va bien marcher. Je fasse ça. Par contre, ça manque, il faut que je le laisse. On va faire comme si on avait la... Voilà. Je connais un truc qui va bien marcher. Enfin, j'espère. La carte, du coup je suis passé là et je peux encore aller dans la salle du fond, mais j'ai pas fouillé cette salle là. Tous les coups il y a des choses dedans vu qu'il y a un zombie sans su, donc je vais essayer de le tuer avec les cocktails molotov. Ça devrait bien marcher. Enfin, j'espère. Putain, l'efficacité quoi, j'aurais dû faire ça depuis le début. Un cocktail molotov, un zombie sans su en moins, ça a tout cramé. C'est cool. C'est vraiment cool. Donc je vais pouvoir prendre la carte. Voilà. Allez, ça c'est l'église. Ça c'est le toit de l'église. Ça c'est le rez-de-chaussée où je suis avec la fille. Et ça c'est là où je suis avec le mec. D'accord, donc la fille, je suis complètement bloqué. Par contre avec le mec, je peux aller là et là. J'aime pas ça. Et par contre il y a un interrupteur là, je pense que ça peut ouvrir cette porte là. Ça peut être pas mal. Voyons voir ce qu'il y avait là dans ce trou ici, il y a quoi. Ok, pourquoi pas. Non, parce que je fais, c'est la bouteille qui est là, là. Voilà. Donc, j'espère que ce nouvel épisode de Resident Evil vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo avec vos amis, à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de Rebecca. Allez, salut tout le monde. Hey, watch out.